Mon invité ce matin est le délégué général du MEDEF Bretagne, auteur de « Dette, fiscalité, chômage, le scandale français ». Bonjour Frédéric Duval. Bonjour. Alors pourquoi ce mot aussi fort que « scandale français » alors qu'on a l'impression que la situation économique s'améliore ? Un scandale parce qu'en 40 ans, la dette a été multipliée par 55, quand le PIB a été multiplié par 9. Donc on voit qu'on a une explosion de la dette. Sachant que nous avons choisi de faire l'euro en 1992 et donc de mettre nos entreprises de production en concurrence frontale avec les entreprises de production des autres pays de la zone euro et que les prélèvements obligatoires assis sur les entreprises de production et les entreprises en général en France sont bien supérieurs à ceux que connaissent les autres entreprises des pays de la zone euro. Et donc on a un effet cumulatif d'une dette qui augmente de façon quasi exponentielle du fait de dépenses publiques très importantes et de prélèvements obligatoires associés qui affectent notre compétitivité et qui génèrent beaucoup de chômage, 2 à 3 fois plus de chômage que dans les autres pays de la zone euro ou de l'OCDE. Mais comment faire la pédagogie de cette question de la dette? On l'a vu dans la campagne électorale, c'est un sujet qui a peu concerné les Français, semblent ne peu s'en soucier puisque finalement les taux d'intérêt sont très bas et c'est bien de s'endetter. Alors, dans mon livre, j'essaye justement de faire la pédagogie de la dette publique. La dette publique n'obéit pas aux mêmes règles que la dette privée. Lorsqu'un ménage ou une entreprise emprunte, ils doivent assumer le remboursement du capital, l'amortissement du capital et la charge d'intérêt. Pour la dette publique, on considère que l'État ne peut pas mourir. Et donc, que cette dette n'est pas amortie. Et donc, lorsque l'emprunt arrive à échéance, l'État réemprunte concomitamment. Si bien qu'en euros, la dette devient, avec ce système-là, incompressible. Et lorsqu'on parle de la réduction de la dette publique, on parle en fait de la réduction de l'endettement public. Et la réduction de l'endettement public, c'est le fait que le numérateur au mieux reste stable, le montant de la dette en euros, divisé par le PIB qui, lui, augmente par la croissance au volume et par l'inflation. Et donc, il y a une inertie très forte de la dette. Comme elle ne s'amortit pas, en euros, elle ne peut pas se contracter. Est-ce que le danger est réel aujourd'hui ? Le danger est réel parce qu'imaginons que demain, les taux augmentent, eh bien, la charge d'intérêt augmentera d'autant, avec le temps, parce qu'on renouvelle la dette progressivement, mais il y a une inertie de la dette, une inertie de la charge d'intérêt qui fait qu'on est, à terme, sur une bombe budgétaire. Actuellement, on refinance la dette française à hauteur de 0,5%. Imaginons que demain, cette dette, ce taux d'intérêt sur la dette passe à 1, 2 ou 3%, sachant qu'aujourd'hui, la charge d'intérêt est de l'ordre de 47 milliards d'euros, on voit la bombe budgétaire que cela représente. Il faut quand même avoir à l'esprit que la charge d'intérêt aujourd'hui, c'est 1,5 fois le budget de la Défense nationale. C'est presque l'équivalent du budget de l'Éducation nationale. Alors vous exposez aussi très clairement dans votre livre la différence de fiscalité entre une entreprise française et une entreprise allemande, où vous présentez des comptes de résultats et on est très surpris. Il y a eu un pacte de responsabilité en France pour baisser les charges des entreprises finalement. Et à quoi ça a servi ? Ça a servi à réduire le différentiel, notamment avec l'Allemagne. Je pense qu'on peut assumer le fait de comparer avec l'Allemagne, puisque nous partageons la même monnaie, des systèmes sociaux à peu près équivalents, même si les nôtres n'ont pas été réformés. Et on considère que 85% de notre production industrielle est en concurrence frontale avec la production allemande. Et lorsque on prend le compte d'exploitation de l'entreprise industrielle française et qu'on le transpose en droit allemand, on observe, on l'a fait sur un exemple très concret, que pour une production industrielle de 18 millions d'euros, eh bien, nous avons un différentiel de coût de production de 2 millions d'euros. Et sur ces 2 millions d'euros, on peut dire que 20%... Plus de 10%. Oui, exactement. Et 20% de l'écart sont dus, dans le calcul que l'on a effectué, aux 35 heures payées 39, 50% aux charges sociales employeurs qui, en Allemagne, sont beaucoup plus faibles qu'en France. En Allemagne, on est sur un financement paritaire des systèmes sociaux. L'employeur paie comme le salarié, alors qu'on sait qu'en France, l'employeur paye beaucoup plus que le salarié. Et puis, troisième différence, ce sont les impôts et taxes sur la production. Tout ce que les entreprises paient aux collectivités locales, notamment. Et puis aussi, certains impôts et taxes destinés à l'État. Et là, c'est 30% de l'écart de coût de production. Donc, pour résumer, 20% de l'écart de coût de production lié aux 35 heures payées 39, 50% aux charges sociales employeurs et 30% liés aux impôts et taxes sur la production. Et globalement, les prélèvements obligatoires que paient les entreprises françaises représentent 25% de la valeur ajoutée. En Allemagne, c'est 13% de la valeur ajoutée. Alors qu'est-ce qu'on fait face à ça? Dans votre ouvrage, vous proposez des réformes fiscales sur les charges sociales. Emmanuel Macron fait la flat tax que vous appelez de vos voeux sur les revenus du capital. Il réforme l'ISF, il transforme le CICE en baisse directe de charges sociales, une demande du MEDEF. Est-ce que finalement cette politique est à la hauteur du défi? C'est une politique qui va dans le bon sens. Mais permettez-moi de souligner que la transformation du CICE en charge sociale ne se fait pas
à coût équivalent pour les entreprises. Le surcoût pour les entreprises sera de l'ordre de 5 à 7 milliards d'euros. Et donc la demande que nous formulions n'est pas satisfaite, puisqu'il faudrait alléger les charges sociales dans des proportions plus importantes. Pour répondre de façon plus fondamentale à votre question, il faut d'abord s'attaquer à la baisse des dépenses publiques de façon beaucoup plus dynamique. Parce que si on continue comme ça, on aura une dette qui augmentera. Il faut revenir assez rapidement à un équilibre des comptes publics. Et là, pour ne pas dépenser dépenses publiques, c'est que pas les clair. Recettes. Il faut sans doute faire plus d'économies en matière de dépenses publiques pour stabiliser la dette et réduire l'endettement public. Et puis effectivement, il faut baisser les prélèvements obligatoires sur les facteurs de production, sur le travail, donc réduire les charges sociales au-delà de ce qui est prévu jusqu'à présent, et puis aussi réduire les impôts et taxes qui pèsent sur les facteurs de production. Les collectivités locales de 2011 à 2016 ont globalement augmenté leurs prélèvements sur les entreprises de l'ordre de 10 à 15% sur les impôts, alors que le PIB n'a progressé que de 6%. Et donc on voit que la part des impôts locaux sur les entreprises augmente beaucoup plus vite que le PIB. Mais sur donc là, on a un vrai problème. Sur la fiscalité du capital, vous dites bravo à Emmanuel Macron. Il y a un vrai changement. Alors la suppression de l'ISF sur les valeurs mobilières, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que, en fait, l'ISF est un impôt non pas sur les revenus du capital, mais sur le capital lui-même. Donc lorsque, par exemple, une entreprise grandissait, de passer de PME à ETI, dans une logique de patrimonialisation de l'entreprise, on passe d'une génération à une deuxième, puis à une troisième, eh bien, la famille qui héritait de l'entreprise, si ses membres n'avaient pas de fonction opérationnelle dans l'entreprise, étaient imposés au titre de l'ISF sur leur part de l'entreprise. Et si ces gens-là ne voulaient pas perdre en capital, l'entreprise devait leur verser des dividendes. Et suffisamment pour que, malgré l'ISF, il y ait une rentabilité satisfaisante. Donc qu'est-ce qui se passait ? Eh bien, en fait, les gens vendaient leur entreprise. Et c'est comme ça qu'on a beaucoup d'entreprises industrielles qui sont passées sous pavillon étranger, parce que l'ISF obligeait les actionnaires familiaux à céder leur part. Et après, on s'étonne qu'il y ait trois fois plus d'ETI en Allemagne qu'en France. Eh bien, voilà l'une des raisons. Alors, dernière question, Frédéric Duval. Quand on est étiqueté MEDEF, est-ce que c'est facile de faire passer ces messages auprès du grand public au nom de l'intérêt général que vous revendiquez ? Et est-ce que vous appelez les chefs d'entreprise à s'exprimer plus dans le débat public aujourd'hui ? Alors, avant d'être MEDEF, je suis d'abord un citoyen, je suis salarié. Et je suis aussi un père. Et donc, ce que je veux, c'est que la France s'adapte pour être performante demain et offrir plus d'emplois aux Français et aux Françaises. Et pour ça, il faut engager des réformes. Alors, il est vrai que j'ai une étiquette MEDEF, mais vous savez, moi, je souhaitais travailler au MEDEF avant d'y entrer. Je n'y connaissais personne. Mais j'avais un tel souci de l'intérêt général, une telle volonté que la France se réforme, que j'estimais que le MEDEF était le meilleur vecteur pour promouvoir ses idées. Donc, je suis au MEDEF, mais j'adhère pleinement à sa démarche et j'estime aujourd'hui que la doctrine du MEDEF, compte tenu de l'état du pays, est la plus conforme à l'intérêt général. Frédéric Duval, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin sur Les Échos Télé.